Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Voilà Marie, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Et nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons en commençant par la santé, hein. D'accord. Dans tous les points, voilà, j'ai des problèmes de dentition, j'ai un handicap à une jambe. Qu'est-ce qu'il y a en dentition? Je suis en train de perdre toutes mes dents. Voilà. Ah, d'accord. Voilà. Et voilà, il y a eu un dentiste qui n'a pas fait le nécessaire. Et aujourd'hui, voilà, toutes mes dents sont en train de se déchausser. Je n'ai pas trouvé de Ah, c'est un praticien. déchaussement, Ouais. d'accord. Et qui vont tomber, quoi. Voilà. D'accord. Ok, ensuite. J'ai un handicap à une jambe et puis j'ai eu entre la L4 et la L5. Attends, attends, c'est quoi un handicap à une jambe? Qu'est-ce que tu as à la jambe? C'est à la suite d'une erreur médicale. Oui, qu'est-ce qu'il Donc, y a alors? j'ai eu tous les tendons et les ligaments de déchirés. J'ai C'est fait un quelle? C'est chirurgie laquelle? C'est laquelle la jambe jambe? gauche. Alors, jambe gauche. Donc, tendons et ligaments. Déchiré, j'ai plus de ménisque, j'ai plus de cartilage et je n'ai plus de D'accord. densité osseuse. Plus de méduse, d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé comme erreur médicale? On m'a injecté des produits pour lesquels j'étais allergique et j'ai fait un choc anaphylactique. Ah oui, d'accord. Ok. Donc à la suite d'injection de produits. Voilà, ouais. Ok. Et dis donc, c'était. Ok, alors, autre point. Ça a entraîné d'autres conséquences, à savoir une prise de poids importante, puisque j'étais sous morphine pour traiter la douleur. Et on m'a donné aussi de la pour. Attends, oui, ensuite, donc. Problème digestif. Par rapport aux médicaments que tu citais, c'est par rapport au problème digestif ou c'était autre chose? Voilà, c'est oui, c'est par rapport à tous les médicaments que j'ai pris, oui. D'accord. Ok. Quoi d'autre? J'ai eu entre la L4 et la L5 au niveau des vertèbres, donc ce sont les épiphyses qui se sont cassées puisque mon bassin partait en torsion. Donc j'ai des vertèbres qui se sont fêlées, quoi. Et à la suite de ça a déclenché de la fibromyalgie. Tu as un bassin donc en torsion, c'est ça que tu as dit? Oui. Ok. Fibromyalgie. Ok. Et Ensuite. puis, un état inflammatoire des articulations. Et c'est toutes les articulations ou. Toutes les articulations. D'accord. T'as d'autres points de santé? Je fume. Et alors tu veux arrêter? Oui. Tu fumes combien par jour? 5 cigarettes par jour. D'accord. Ensuite? Je pense que c'est bon, ouais. D'accord. Alors les autres points, le premier. Au niveau de ma Les autres santé, questions, oui, hors ouais. santé. Au niveau santé, non, là, j'ai pas d'autres Non, choses. j'ai dit hors santé, les autres points. Alors, les autres points hors santé, pardon. C'est toujours ces problèmes financiers. Voilà, premier problème. Ok. Ensuite, deuxième. Deuxième, je vis seule, donc voilà, c'est Depuis longtemps? 10 ans. D'accord. Et c'est quoi ta question? Oui, c'est pas vraiment une question, ça serait plutôt un souhait. De vivre seul? Non, de pas vivre seule.
voilà. C'est quoi ton souhait? De pouvoir rencontrer quelqu'un, quoi, bien sûr. Ok. Bien. Tu vis seul depuis combien de temps? Depuis 10 ans. Mais seul, vraiment seul, quoi. Et en 10 ans, tu n'as jamais rencontré quelqu'un? Non. Ok. Mais tu as cherché ou tu as laissé Oui, 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 ouais. J'ai cherché. Je me suis inscrite sur un site de rencontre et voilà. Okay. Donc, comment. Alors, la troisième. La troisième, j'aimerais pouvoir développer mon activité. Et j'avoue que je ne sais plus trop comment m'y prendre, comment faire. Voilà. Ok. Il y a longtemps qu'elle est. Depuis la crise, avant j'avais des élèves qui venaient régulièrement, que je formais en aromathérapie et aussi avec le tarot psychologique. Mais depuis la crise, il n'y a plus personne qui veut se déplacer, on manque d'argent, et voilà. D'accord, ok. La quatrième. Alors, j'ai passé une année un peu difficile. J'ai eu différentes personnes qui m'ont harcelée. Ça a réveillé des anciennes blessures de mon enfance, quoi. Harcelée, dans quel sens? Insultée en message audio. Voilà. Ah ouais? Et ça t'a renvoyé à quel événement de ton enfance alors? Ça m'a renvoyé au phénomène d'abus dans mon enfance. Ah d'accord, donc c'est des harcèlements, tu veux dire, sexuels? Non, c'était pas sexuel. Hein. Là, non, c'était vraiment de l'inversion accusatoire, quoi. Voilà. J'ai eu affaire à des gens un peu pervers, un peu manipulateurs. D'accord. Et ton enfance, c'était quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père m'a... Enfin, si tu veux... Si tu non, ça, maintenant, ça ne me dérange pas. Enfin, ouais. J'ai été violée de l'âge de 8 ans à l'âge de 14 ans par mon père. Et mes deux frères aînés, qui avaient 10 et 11 ans plus que moi, me prostituaient auprès de leurs copains. Voilà. Ah oui, carrément. Ouais. Et ma mère me frappait. Et quand elle frappait, je disais en plaisantant, j'avais la croissance ralentie de 6 mois, quoi. Et voilà. Et parfois même, je perdais connaissance quand elle frappait trop fort ou je saignais du nez. Bon, c'est une enfance heureuse. Ouais. Oui, à côté de ça, bon, j'ai... Et tu avais l'intention d'en parler ou pas de ça? Non, parce que... Ah, je crois. Non, mais je pense que tout découle de là, quoi, en fait, mes galères, tout ce que j'ai vécu, parce qu'après, j'ai eu un mari pervers, narcissique, qui a aussi démoli mon fils, et voilà. Mmh. D'accord. Je pense que ceci entraîne cela, quoi. Ok. Et ta sixième question, alors? Ma sixième question, c'est plutôt... je ne sais plus trop où j'en suis professionnellement, voilà. Ah. Donc, j'ai besoin d'un éclaircissement à ce niveau-là. Alors, on ne te dira pas qu'est-ce que tu veux faire. Non, bien sûr. Par contre, une fois toutes les connexions, nettoyage, etc. faites, tu auras les intuitions et voilà, ce sera une évidence pour toi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est dans donc si tu as une meilleure question j'ai pas relu dans mon mail les points, je pensais non, pas d'autres questions. Oui, si, c'est ma difficulté à dire non et à prendre ma place. D'accord. Voilà. D'accord. Quand il y a eu ces événements avec tes frères qui te prostituaient, quel âge tu avais et quel âge ils avaient, eux?
Alors, j'avais, parce que c'était, ça se passait en même temps que mon père. Mon père, ça a duré de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 14 ans. Et mes frères, de l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à ce qu'ils, quittent la maison, quoi. Voilà. Ah oui, et ils avaient quel âge eux à ce moment-là? Ils avaient donc 10 ans plus que moi. J'avais Ah, 10 ans de 8 ans. plus? Ouais, 18 et 19 ans, quoi. Voilà. Ah oui. Ok. Voilà. Et ma sœur aînée m'a empêchée de parler. Et donc, je les ai dénoncés beaucoup plus tard et ma famille ne veut plus me voir à cause de ça. Voilà. Et il n'y a que toi ou ta sœur aussi est passée Ma par... sœur aînée, non. Et ma petite sœur, en fait, je me suis tue pour pouvoir la protéger. Bien. Alors, qui choisis-tu pour tes invitations alors? Comme guide, comme. Ben, tu sais quand on propose donc de d'inviter les personnes que tu aimes, de ta famille, de ton entourage, des amis. Mais c'est sur un plan subliminal, on va pas les appeler, hein, tu Oui. vois? Donc ça peut permettre aussi de débloquer des choses. Et puis c'est là que on propose, ils viennent ou ils ne viennent pas. S'ils viennent, ils choisissent de faire le travail ou pas, tu vois. C'est juste une occasion qu'on leur offre. Donc là, c'est sur les plans subtils, c'est la partie subliminale. Et après, ça s'intègre ou pas dans la personnalité. Ça ne nous appartient pas, tu vois. D'accord. Alors, ton fils, déjà, je suppose. Oui, c'est ce Hein? qui me vient à l'esprit, Hein? oui. Ton fils? Oui. Est-ce que tu veux inviter son père ou pas? Non. Non, d'accord. Ok. Non, 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 ça va. Et au Non, niveau de ta je famille? peux plus. Ma famille, peut-être ma petite sœur. Petite sœur, d'accord. D'accord. Après, il y a des d'autres familles en général ou on se limite à ça? Je pense à quelqu'un qui me supervise dans ma pratique. Oh, d'accord. Donc pour la famille, ça s'arrête là. Après, Oui. tu passes aux amis, aux relations, c'est ça? Oui. Donc, tu as des amis de cœur? Oui. Donc on dit les amis de cœur. Et puis là, Christine. ne cite pas les prénoms. Oh, pardon. Bon là, on va le laisser, c'est pas grave, mais... T'es incurable. Non, je rigole. J'ai pas encore bien compris les règles, donc je suis désolée. Non, c'est pas grave. Ok, on va dire que t'es troublé. Hein? Oui, c'est ça. C'est mon C'est la charme. première. Ouais. Alors, donc, amis de cœur, après, relation. Oui, relation, oui. Oui, alors on va dire tout ce à qui tu penses, d'accord? Hein? D'accord. Allez, ça sera plus simple. Tu as droit à deux désincarnés, qui choisis-tu? Ben, mon père et ma mère aussi, ça peut paraître bizarre, Ben non, c'est pas bizarre, non? Non, non. mais parce qu'ils m'ont transmis en même temps des belles choses, hein. Ben oui, certainement. Ok. Bon, ben écoute, je te laisse couper le son et puis on part pour l'aventure, D'accord, ok. d'accord? À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 310. Je te laisse augmenter. 36 400. Connecte-toi à moi. À moi et dis-moi comment tu me vois. Ok, 380. je m'aligne sur toi. Oui. À 36 400, tu es suffisant à la hauteur? Oui. Bien. Je te laisse te connecter sur Marie et dis-moi comment tu l'aperçois. C'est comme si elle était bousculée énergétiquement parlant, violemment, comme si elle était dans une sorte de tambour de machine à laver. Donc ça vient créer du désordre dans toute sa sphère énergétique, qui n'est pas sécurisée. Tous ses corps subtils sont en désordre. Ils n'ont plus leur forme originelle. Ils sont soit étirés dans certaines zones, soit compressés. La partie physique, elle vibre de façon dissonante. L'ancrage tertiaire, il bouge sans arrêt. Il est inefficace.
Il est là présent, mais en vibration dissonante. Donc ça empêche qu'elle puisse être stable et tranquille, énergétiquement parlant, et même sur le plan physique. Pour compenser cette sorte de tempête énergétique, elle est maintenue fermement, presque immobilisée, par une sorte d'exosquelette. Donc elle est comme si elle était maintenue là par cet exosquelette qui est sur toute sa structure osseuse, tout le long de sa colonne vertébrale, hanches, les membres, les bras, les jambes, et avec des attaches au niveau de toutes les articulations. Après, en montant au niveau de la nuque, derrière la tête, en haut de la tête. Et c'est cerclé par devant, au niveau de la mâchoire, au niveau de la gorge. Qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il y a à la tête, hein? C'est cette sorte d'exosquelette là qui se déploie dans toutes les directions. D'accord. Tête et mâchoire alors. Oui. Qu'est-ce que ça crée comme problème? Ça vient créer des tensions, y compris jusque sur le plan physique, puisque cette sorte de structure, elle est rigide, serrée, et pendant que tout autour d'elle, tout s'agite d'un point de vue énergétique. Elle est plongée dans une sorte de tempête énergétique, bousculée donc comme si elle était dans un tambour de machine à laver. Ok. Donc ça vient créer des pressions, des distorsions, des pointes de douleur et des mal-être dans tout son corps. Tout est en désordre et il n'y a pas de sécurité énergétique non plus. C'est-à-dire que les portes et fenêtres de sa sphère énergétique sont ouvertes. Donc il y a des entités démoniaques qui entrent et qui sortent de sa sphère énergétique sans qu'elle puisse rien y faire, puisque elle est immobilisée par cette sorte d'exosquelette. Que vois-tu d'autre? Au niveau de la glande pinéale, il y a une sorte de système, comme une sorte de système GPS, hein, et qui est relié à l'exosquelette. Hein. Il y a des échanges d'énergie, et en redescendant le long de l'exosquelette, le long de la colonne, l'énergie, elle est puisée au niveau du chakra sacré. Donc c'est elle-même qui, de façon détournée et malgré elle, vient alimenter ce dispositif-là qui la maintient prisonnière et impuissante. D'accord. C'est écrit comme problème au niveau du chakra sacré? Elle n'en a pas la maîtrise. Elle n'a pas la maîtrise de son énergie créatrice, de son énergie vitale. Une fuite d'énergie à ce niveau-là. Et attrice et sexuelle? Oui. Que vois-tu d'autre? Et par extension, ça vient créer des blocages dans ses relationnels et dans ses actions, dans sa réalité. Puisque son énergie vitale est en grande partie détournée, donc elle n'est plus pour elle, donc elle n'en a plus assez pour créer sa propre réalité telle qu'elle le voudrait pour elle-même. D'accord. Là, tout de suite, c'est tout. C'est déjà pas mal. Ok, sachant que tout partira quand même. Alors, donc, regarde ce qui est derrière tout ça. Il y a deux types d'entités. Et les deux sont... C'est des sortes d'hybrides démoniaques. Il y a des sortes de chauves-souris gluantes noires marron. Et dont l'essence est démoniaque. Et il y a un autre type d'entité qui est plus de type reptiloïde,
des sortes d'hybrides reptiloïdes démoniaques. Okay. Les uns ont ouvert la porte aux autres. Alors, quelle est la première qui est entrée en contact avec elle? Des reptiloïdes. Combien est-ce que tu en vois? Il y en a quatre. Ah, carrément, d'accord. Et chauve-souris, combien tu en vois? Il y en a deux. Deux chauves-souris. Donc, les chauves-souris sont venues se greffer après, alors. Oui. Bien. Ok. C'est quoi l'objectif des reptiloïdes? Elle est pour eux comme une sorte de jouet. Elle est comme une sorte de distraction. Eux s'ennuient. Ils sont cantonnés dans une zone de la quatrième dimension en charge de surveillance de cette zone-là. Ils sont chargés de faire respecter, c'est des sortes de gardiens, de faire respecter les lois de la matrice artificielle. Mais ils s'ennuient. Donc elle représente pour eux une distraction. Et plus c'est violent pour elle, plus elle émet des énergies qui les intéressent. Dans quel sens ça les intéresse? Ça les nourrit Ah, ça les nourrit quand et même. ça leur procure une sorte de plaisir. Comme quand on ressent, ça serait un peu similaire à ce que nous, humains, quand on ressent un frisson de plaisir au niveau de la colonne vertébrale. Parce qu'on sent bien ou ce genre de frisson que nous, humains, on va éprouver quand on écoute de la bonne musique, par exemple. C'est le même type de sensation que eux éprouvent, mais pour eux, ils éprouvent ce type de sensation-là est déclenché quand elle éprouve de la douleur, de la souffrance, du mal-être, des frustrations, détresse émotionnelle aussi. D'accord. Et donc les entités chauves-souris, c'est quoi leurs intérêts? Eux, c'est l'énergie sexuelle. Hein. Eux sont venus parce que les portes étaient ouvertes. Comme d'habitude, hein. Elle, c'est... Okay. Donc ça explique ce qu'elle a subi au niveau sexuel dans son enfance et sa jeunesse. Oui. C'est elles qui sont derrière ça. Oui. On verra ça tout à l'heure. Bien, alors, depuis combien de temps ces reptiloïdes sont avec elle? La toute première fois, je compte à trois et nous y allons. 1, 2, 3. Depuis 11 incarnations. Comment ça s'est produit la première fois? Quand ils ont besoin d'avoir une conscience humaine pour, on va dire, sous la main pour s'occuper, ils partent en chasse dans les roues d'incarnation. Donc c'est ce qu'ils ont fait, c'est là qu'ils l'ont trouvé, qu'ils ont pris contact avec elle. Et alors ils se sont présentés à elle. Oui, comme des guides bienveillants. Bienveillants et joueurs. Et bien sûr, elle les a suivis. Oui, parce qu'il y avait cette sorte de promesse que, en les suivant, elle gagnerait en légèreté d'être. Et en plaisir et en fluidité dans ses incarnations à venir. Et alors, c'est ce qui s'est passé? Non. À chaque incarnation, elle a perdu un peu plus en vitalité. Ok. Alors, pendant que tu as ces informations, est-ce que toutes ces parties prennent conscience et connaissance de leur manipulation, de leur supercherie? Oui. Alors, ça fait partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Oui. Bien. Alors, en ce qui concerne ces chauves-souris, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elles? Eux sont là depuis trois incarnations.
trois incarnations, de quelle manière ils sont entrés en contact avec elle? Mais c'est comme s'ils avaient, on va dire, pénétré les trois incarnations en même temps. C'est un peu étrange. Ça ramène tout en même temps, c'est-à-dire que quand on parle de depuis trois incarnations, en réalité, c'est tout se passe en même temps. Sur un plan quantique. Oui. D'accord. OK. À chaque fois, ils se sont présentés de la même façon dans l'enfance et dans la lignée. Oh. Tu veux dire qu'elle contrôle, elle contrôle la lignée aussi? En partie, oui. D'accord. OK. Et donc, la toute première fois, comment ils se sont présentés alors à elle? C'est dans les rêves. Dans des rêves. Mais ils ne se présentent pas sous leur forme réelle. Ils se présentent, c'est comme s'ils adoptaient une sorte de déguisement. Ils vont rechercher des mémoires de forme dans l'inconscient des humains et dans les mémoires et dans l'inconscient de la personne concernée. Ils se présentent comme des compagnons de jeu. D'accord. Bien. Alors, elle prend conscience de ça également. Oui. Combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? Dans cette boucle-là, 19. 19 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice. Je compte à 3 et on y va. 1, 2, 3. Oui. Alors, d'où vient-elle et sous quelle forme? Elle est humanoïde à polarité féminine et elle évolue dans un souterrain. Mais c'est son lieu de vie habituel. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sur la surface de sa planète, le lieu de vie, c'est en souterrain. D'accord. Mais donc c'est une planète alors. Oui. Comment s'appelle sa planète? Nestiré. Comment tu as dit? Nestiré. Nestiré. Oui. D'accord, bon, comme ça se prononce. Elle est en quelle dimension? Cinquième dimension. Ok. Et pourquoi est-ce qu'elle vit dans un souterrain? Parce que la surface de la planète n'est plus habitable. Ou plus exactement, il l'est encore, mais les structures de l'intérieur, les structures souterraines, sont devenues beaucoup plus agréables que les structures extérieures. Donc la grande majorité de la population est là à l'intérieur, dessous. D'accord. Elle se situe où cette planète? Elle est dans notre univers, mais elle est lointaine par rapport à notre système solaire, comme si elle était à la frontière, proche de la frontière du bord de notre univers. Donc une zone inconnue de nous, quoi. Si j'ai Pas bien compris. visible, non, de la Terre. Bien. Et sous quelle forme tu la vois, elle ressemble à quoi alors? Elle a une forme humanoïde, mais avec un appendice caudal, une queue, D'accord. dont elle se sert pour s'appuyer dessus parfois quand elle est à l'arrêt. Et les mains et les pieds sont... C'est un peu comme les lézards, tu sais, qui peuvent se déplacer avec leurs quatre membres. D'accord. Et son C'est visage, comment tu vois? une forme de reptiloïde. Ah, ok. Et c'est quoi leur, c'est quoi elle, sa fonction, enfin ses fonctions, centre d'intérêt, comment sa manière d'exister? Elle n'a pas de fonction particulière. Elle en est là dans son adolescence, enfin, ce qui pour nous humains est l'équivalent D'accord. de l'adolescence.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre? C'est l'ennui. Elle s'ennuie. Elle est à la recherche de autre chose. Il y a des zones interdites là à la surface de la planète parce qu'elles ne sont plus habitées. Il y reste encore des structures comme des sortes de villes fantômes et dans lesquelles les adultes interdisent aux adolescents et aux enfants et aux plus jeunes d'aller. Pourquoi encore c'est interdit? Il y a des dangers potentiels qui peuvent être là, présents. Quel type? Des pièges laissés là par d'autres espèces qui sont venues avec l'intention de prédater la planète. C'est pour ça que la surface n'est quasiment plus habitée. D'accord. Donc, tu me disais que ces pièges ont été laissés par qui, alors? Par ces races prédatrices qui ont tenté par plusieurs fois d'envahir cette planète-là. Et c'est qui, ça, ces prédateurs? C'est une sorte de draco. Il y a plusieurs, on va dire, sous-espèces ou plusieurs branches de draco. C'est l'une d'entre elles. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour elle alors? Donc, elle s'ennuie, elle recherche autre chose. Elle va faire comme des sortes de fugues dans ces lieux-là qui sont interdits en raison de ces pièges. Et lors d'une de ces sorties, elle se fait capter par un filet, une sorte de filet magnétique. Oui. Elle est enroulée dedans. Impossible de se dégager. Et ensuite, dès que ce filet-là l'a capté, il envoie un signal à ceux qui l'ont posé et qui viennent la chercher. Comme s'il venait relever des pièges, comme des chasseurs qui vont relever des pièges, c'est pareil. Et donc, ce sont les Dracos. Oui. Qu'est-ce qu'elle devient après? Elle est emmenée dans un de leurs vaisseaux. Et elle y reste là. Elle est placée dans une sorte d'état de stase. Pour qu'elle garde son énergie. Pour qu'elle reste, entre guillemets, intacte. En attendant de savoir ce qu'ils vont faire d'elle. Est-ce qu'ils vont l'échanger, la vendre, la garder pour eux, l'emmener ailleurs? Mais au final, elle est échangée contre ce qui pour nous serait l'équivalent de carburant. D'accord. Et elle est échangée avec qui? Un autre type de reptiloïde, moins puissant, mais plus vif et plus commerçant que soldat. Si la première espèce citée, c'est plus comme une armée, comme des soldats qui sont toujours là dans ce type d'action de prédation, la deuxième espèce, c'est plus leur activité axée sur l'échange et commerce. D'accord. Donc, ils en font quoi, alors, du coup? C'est le nouveau reptiloïde commerçant? Eux reviennent dans notre système solaire. Ils ont une base, là, au niveau de notre Lune. Oui. Et là, elle est de nouveau échangée pour venir nourrir, en quelque sorte, apporter de l'énergie à la matrice artificielle terrestre. Donc, il y a des échanges qui sont faits de nouveau avec les archontes qui gèrent cette matrice artificielle terrestre. Donc là, elle est emmenée
dans les roues d'incarnation. Et de là débutent ces incarnations humaines. D'accord. La première incarnation, c'est en tant qu'humaine sur oui. Terre. D'accord. Ok. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas de cette boucle de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Voilà. Si tu la scannes encore, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, pas pour l'instant. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi s'il s'agit bien d'elle, et si tout son ADN appartient à son essence, et s'il n'y a pas d'inclusion d'informations étrangères. C'est le sien. Bien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Alors, puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, qui vois-tu en premier? C'est pas en premier, c'est les deux équivalentes, les deux types d'entités déjà citées. Reptiloïdes et chauves-souris hybrides, d'accord. Et ensuite, il y a des entités démoniaques qui entrent et qui sortent de son espace énergétique puisqu'il est ouvert. Qu'est-ce qui lui crée comme problème cela? Des blocages dans tous les aspects de son incarnation. Et ils viennent appuyer sur les points douloureux, sur les failles émotionnelles. Ils viennent amplifier ces émotions de basse fréquence. Comme quoi, par exemple? De sensations d'impuissance, d'être bloqué, de solitude, d'être brimé et incomprise. D'accord. Qui vois-tu d'autre alors? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Ok. Est-ce que tu vois des parasites à l'intérieur, sur et autour d'elle? Oui, il y a des parasites qui se sont infiltrés au niveau du plexus solaire. Oui. Et qui se sont développés comme s'ils avaient grandi en taille et en puissance à l'intérieur de son système digestif. D'accord. Digestif et métabolique. Oui. Qu'est-ce qui lui cause comme problème, cela? Ils ont ralenti son métabolisme et provoqué une prise de poids. Ok. À quoi ils ressemblent ces parasites? C'est des sortes de vers longs, blancs et ils sont transparents. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur toutes les couches, toutes les boucles, toutes dimensions, toutes fréquences, toutes les vies, bien sûr, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïvélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Nous la plaçons dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu donc Marie à présent? C'est beaucoup plus clair et léger. Il y a une stabilité aussi qui est là maintenant.
Bien. À présent, je veux que tu regardes comment réagissent ces entités. Il y a de la colère, une sorte de colère qui gronde, qui monte en puissance, avec comme des paravents énergétiques qui sont déployés pour la bloquer. Alors, nous allons tous la bloquer à notre tour sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu vas revenir en arrière. Positionne-toi à un moment juste avant que ces entités réalisent qu'il se passe quelque chose. Oui. On ouvre un portail dimensionnel et on les vire toutes et tout. 1, 2, 3. Oui. Ah, tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Maintenant, vérifie la sphère énergétique donc de Marie. Dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine jusqu'aux réminiscences sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, vérifie si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, que ce soit les reptiloïdes ou les chauves-souris hybrides. Oui, il y a des informations communes, ces deux types d'entités-là, et qui sont disposées dans les manifestations d'elles-mêmes dans les autres vies, ce que l'on nomme les vies antérieures. Tu en vois combien? Ben, il y en a 18. 18 vies, ok, très bien. Alors, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on va tous les virer, d'accord? Oui. 1, 2, 3, sur tous les plans. Dans combien de dimensions, en fait? 3. 3 dimensions. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. C'est fait. Vérifie maintenant si elles ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, plus maintenant. D'accord. Ils n'ont rien de caché, rien sauvegardé? Non. Bien. Eh bien, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan morontiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle est repliée sur elle-même. Elle est là, comme terne, fatiguée et en perte d'énergie. Et sa partie subliminale? Elle est en retrait, repliée sur elle-même, elle aussi, comme si elle voulait s'aplatir, disparaître, ne plus être visible, pour ne pas être projeté. Ok. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morentiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie parfaite et à l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morentiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Marie pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors, nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marie. Se saisir de l'opportunité de cette incarnation en 3D pour en prendre connaissance et expérimenter toutes les possibilités, toutes les richesses d'informations qui sont là présentes et à sa portée. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa physicalité à 100%? Juste après la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 96%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. À présent, elle se crée des racines qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est... C'est comme si c'était une torsade. Il est vrillé sur lui-même. D'accord. Ça vient broyer les consciences qui sont rattachées à la lignée. Cette torsion-là vient exercer une pression sur les consciences qui sont rattachées. Ok.
Qu'est-ce que ça a créé comme problème? Ben, ça dépend des consciences. Hein. Il y en a qui se replient sur elles-mêmes pour se protéger. Et d'autres qui créent une sorte de mur de protection. Pour créer une sorte de structure et pour tenter de s'échapper. Oui. En tout cas, ça vient créer des problèmes de communication et des différences de fréquence entre les consciences. D'accord, ok. Comment est-ce que ça impacte particulièrement Marie alors? Une sensation d'écrasement, d'être prisonnière, sensation de solitude aussi. Et d'incompréhension de ce qu'elle est, de son essence au sein de la lignée. Alors, on va demander au soi supérieur, à la conscience de l'arbre, donc on peut intervenir sur lui. Oui. Alors, tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière, là? 46. 46 générations. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a cette sorte de torsion qui se met en place. Il y a une sorte de rayon électromagnétique qui est là dirigé sur la lignée et qui vient créer cette torsion-là. Et d'où est-ce qu'il vient, ce rayon électromagnétique? Qui est derrière ça? Ce sont les entités qui gèrent la matrice artificielle. Et qui viennent formater certaines lignées de cette façon-là. Elles sont d'essence démoniaque, ces entités. Ok. Tu me disais aussi que les chauves-souris contrôlaient la lignée, non? En partie, oui. Elles se sont infiltrées dans la lignée. Mais elles ne la contrôlent pas complètement, des parties seulement. Certains membres, tu veux dire? Oui. Ok. Bien, comme par exemple son père et ses frères. Oui. Ok. Bien. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là. Tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait. Et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence. Haute, soudaine et puissante, qui vient le placer hors de portée, hors de perception de ces entités-là. Bien, nous allons compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? C'est léger, clair, fluide. L'énergie circule de nouveau, haute en fréquence et lumineuse entre les consciences. Comment est-ce que ça impacte Marie? Une sensation de légèreté, de bien-être, un soulagement aussi qui est là présent. Bien. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication parmi toutes les consciences de sa lignée, de communication par le cœur et d'ouverture de conscience? Oui. Allons-y. C'est fait. À présent, elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Que compte-t-elle faire à présent avec lui? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 28%. Et pour la partie restante, elle réaménage et réorganise. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. On va regarder à présent son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Voilà, elle le recrée à neuf. Avec le gabarit de l'arbre de création, dans la version la plus adéquate, compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées?
Il y en a 5 connectées et 3 d'activées. Elle peut activer les deux autres. Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. C'est des programmes de stabilisation, de renforcement de sa base énergétique. C'est fait. Maintenant, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Donc, tous les programmes de limitation, séparation, dualité, tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience, ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi, à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 83%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite, une parfaite santé et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, avec bulles, traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et je vais conseiller à Marie d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement. Consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité, dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. À présent, nous allons éliminer les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêche, entrave, limite sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors nous intégrons tout ça dans les différents états de conscience. Oui.
Elle déclare « Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence, est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. » Oui. Elle rajoute « J'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. » Oui. À présent, on va travailler la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Marie, tout y est proposé, elle fera elle-même le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour rien, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, et quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, etc. etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare « De mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. » Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que des innocents, compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection, et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection,
et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. Maintenant, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle. Et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée des connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lumiscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Installation de programmes anti-ondes des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nuisible à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelle que soit la version. Oui. Que chacun de ces programmes soit stabilisé et indestructible. C'est fait. Pour ce faire, qu'il soit adaptable à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activé. Oui. À présent, elle crée son code de vie et l'active également. Oui. Que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. C'est fait. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour.
Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est violette et dorée. Cette onde s'expanse, monte en puissance. Elle vient englober tout son espace physique et énergétique jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient s'y placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente, arrive à la hauteur du coccyx. Elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires, des traumatismes concentrés. Elle les expulse hors de son espace sécurisé. C'est fait. Bien. Donc, elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issue de sa propre source jusqu'au chakra coronal. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, elle procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé un œuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébro-spinal. Oui. Nerveux, Oui. sanguin, Oui. lymphatique, Oui. énergétique des méridiens, Oui. système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant, Oui. système musculaire, Oui. cardiovasculaire, Oui. respiratoire, Oui. endocrinien, glandes immunitaires et hormonales, Oui. système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Pour les systèmes sensoriels et extrasensoriels, élimination de toutes les programmations sous tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et enfin activation. Sécurisé et activé. Système visuel, Oui. auditif, Oui. olfactif et gustatif, Oui. kinesthésique, Oui. système dentaire avec le tableau général. Elle remplace le tableau. Je m'en doutais. Donc, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle, en tenant compte des parties non biologiques, en recréant toutes les connexions et en incluant des cellules souches. Avec arrosée d'eau primordiale. Oui. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui. Que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel, hein,
sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ses tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ses muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Micro-kiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous abordons à présent le système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu malgré tout encore en arrière-plan? Quelques-uns, oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Parfait. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, on va regarder les programmations de vieillissement au sein de l'ADN des cellules de sa biologie. Pour cela, nous allons inverser les programmes selon la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. C'est fait. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, nous allons procéder à l'harmonisation et au rééquilibrage des 5 éléments et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. À présent, c'est le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche l'expression, la manifestation et le ressenti du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, 1, 2, 3. Oui. Tu es là? Emmanuel? Ah. Tu m'entends? Oui. Tu m'entends, Emmanuel? Il y a une coupure. Ok. Donc, est-ce que c'est bon? Oui, c'est fait. Donc, elle rééquilibre ses polarités pour les mettre au point zéro. Équilibré. Parfait. Bien. Alors, maintenant, nous allons, pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre sa liste de points. Alors, tac, tac, tac. La voici. Le premier point qu'elle a évoqué, c'est par rapport à sa dentition. Ah, il y a eu encore une coupure. Ça fait des minutes. M'entends-tu? Oui, de nouveau. Oui, mais je crois que oui, il y a un problème de connexion là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, tu m'entends là? Oui. Alors, le premier point qu'elle a évoqué, c'est au niveau de sa dentition. Elle perd ses dents, elle se déchausse. Regarde ce qui se passait. C'est la pression dissonante exercée par cette sorte d'exosquelette et de ses ramifications qui revenaient autour de sa tête, autour de la mâchoire, autour de toute la zone ORL.
Ok, bien. Sur cette, donc on va travailler sur toutes les parties donc qui sont en contact et qui ont eu des problèmes avec cet exosquelette. D'accord? Oui. Voilà, on va tenir compte de toutes ces parties. Donc, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps? Il reste des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance, et des programmations de fonctionnement de l'élémental du corps physique en fonction de ces éléments-là pour résister, pour fonctionner quand même. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Donc que tout soit reconnecté et réaffirmé, Oui. apport d'énergie et de vitalité, Oui. équilibré et synchronisé, Oui. réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. On peut inclure dans le système osseux des cellules souches, là aussi. C'est fait. Avec de l'eau primordiale, Oui. que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé et pérennisé. Oui. Alors, comment est-ce que tu vas spécifiquement maintenant, avec tout ce qu'on a fait, son système dentaire? Maintenant, l'énergie circule de façon fluide et haute en fréquence. Mais pour la maintenir, elle peut y faire un apport d'énergie vitale spécifique de stabilisation. Allons-y. C'est fait. Tu vois autre chose à faire? Là, c'est correct. Bien. Alors, on va regarder son système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Comment les vois-tu? C'est comme s'ils fonctionnaient chacun d'entre eux sur un rythme différent. Donc ça vient créer des distorsions dans la circulation de l'énergie dans chacun des systèmes et les uns par rapport aux autres. Ok, donc là je suppose que ça concerne tous les systèmes. Oui. Donc on va tous les faire en même temps. D'accord? Oui. Alors qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer sur cette nouvelle ligne de temps pour tous les systèmes? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance et des programmations de fonctionnement qui sont associées de l'élémental du corps physique, mais qui sont inadaptées maintenant. Bien, donc on les élimine donc sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé, ce qui doit l'être. Oui. Voilà, donc on revient au système neuronal, nerveux central, etc. Comment les vois-tu? Maintenant, c'est fluide et stable. La Bien. circulation d'énergie s'est stabilisée, c'est correct. Ok. Donc, on regarde plus spécifiquement l'équilibre du cerveau droit-gauche. Il y a quelques ajustements qui restent à finaliser. Allons-y. C'est fait. Au niveau neuronal, est-ce que tu as des reconnexions globalement à faire? Oui. Allons-y également. C'est fait. Toujours au niveau neuronal, mais plus spécifiquement en ce qui concerne les zones de la mémoire, des systèmes cognitifs et des systèmes perceptifs. Est-ce que tu vois que là aussi, il y a des reconnexions à faire? Oui. Allons-y. C'est fait. Système nerveux central jusqu'aux terminaisons. Oui. Allons-y également. C'est fait. Système ORL visuel et respiratoire. Oui. Allons-y. C'est fait. Voilà, et puisque nous sommes au système visuel, donc au niveau de ses yeux, à l'œil gauche, elle a été opérée et depuis elle souffre. Elle a une tache noire d'ailleurs qui est devant son œil, qui parfois pleure et lui pique. Qu'est-ce qui se passait à cet œil? Il y a le plan physique et le plan éthérique qui sont venus entrer en dissonance. C'est-à-dire que l'intervention physique a eu lieu sur une zone où il y avait comme une sorte de pointe plantée là au niveau du système visuel.
c'est une extension, cette pointe, c'est une extension de l'exosquelette hein, qui revenait autour de la tête. D'accord. Est-ce que ça explique cette tache noire? Oui, c'est comme une sorte d'empreinte qui est restée là, d'ordre traumatique. Ok. Donc là, avec ce qu'on a fait, est-ce que c'est tout est régularisé ou tu vois une intervention spécifique à faire? Elle peut faire un apport d'énergie vitale spécifique sur cette zone-là. Allons-y. C'est fait. Est-ce que tu vois que cette tache noire a disparu? D'un point de vue énergétique, oui. Alors, on va inviter son élémentaire à faire ce qu'il faut maintenant pour que ce soit sur le plan physique. C'est fait. Voilà. Et puis, il peut mettre aussi un baume apaisant pour les douleurs. Oui. Voilà. Qu'est-ce que c'est comblé pour toi? Oui, c'est Alors, complet. stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Bien. Alors, on va regarder son système endocrinien, immunitaire et hormonal. Comment les vois-tu? Il y a des dissonances, c'est désaccordé les systèmes les uns par rapport aux autres. Et il y a une instabilité dans chacun d'entre eux. Bien, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer alors? Il reste des mémoires traumatiques spécifiques en arrière-plan avec les programmations qui sont associées de l'élémental du corps physique et qui ne sont plus adaptées maintenant. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligné et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise tout ça et stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son système, ses systèmes circulatoires, sanguins, lymphatiques et énergétiques. Comment les vois-tu? Là aussi, il y a des dysfonctionnements les uns par rapport aux autres. Hein. Il n'y a pas d'alignement. Donc ça vient créer des sortes de vibrations dissonantes aussi dans le fonctionnement de chacun d'entre eux. Qu'est-ce que tu vois qu'il y a éliminé là? Des mémoires traumatiques spécifiques qui restent là encore en arrière-plan avec les programmations qui y sont associées de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Alors là aussi, que tout soit reconnecté et réinformé. Oui. Chacun des systèmes et l'ensemble, bien sûr. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. On harmonise et stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors, on va continuer avec les systèmes digestifs et métaboliques et tous les systèmes d'élimination. Comment les vois-tu? Il y a des faiblesses et des ralentissements dans la circulation de l'énergie. Et qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Il reste des mémoires traumatiques qui sont là en arrière-plan, des mémoires spécifiques à ces systèmes-là, avec les programmations de fonctionnement qui sont associées du corps physique. D'accord. Et au niveau des parasites, est-ce qu'il reste encore des choses à éliminer? Il en reste des traces, oui. Ça fait des fines plaques qui restent encore là, présentes en arrière-plan. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Et là, que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé, Oui. réaligné et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est Bien, donc on revient sur sa liste. Au niveau de sa jambe gauche, donc son tendon, ligaments déchirés, plus de ménisques, etc., cartilage, bon, à la suite d'injections de produits. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a les éléments du plan physique qui sont qui n'ont enfin, qui n'avaient qui n'ont pas les mêmes fréquences que ces dispositifs qu'il y avait là en elle.
Donc, c'est deux fréquences dissonantes qui sont venues s'attaquer entre elles avec son corps physique entre les deux. Donc, c'est comme si elle était traversée, comme si son corps physique avait été traversé de pics de part et d'autre, de par ces deux types de vibrations différentes et dissonantes et qui venaient s'affronter à travers elle. D'accord. Mais est-ce que ce produit qui a été injecté était à l'origine de ces problèmes de ligaments, tendons, etc. ou pas? Non, pas directement, c'est l'affrontement des deux fréquences dissonantes, celle de ces produits et celle des dispositifs qu'elle avait sur elle. C'est ces deux fréquences dissonantes qui sont venues s'affronter entre elles. C'est trop à supporter pour l'élémental de son corps physique. Ok. Alors, sur cette moelle de temps, est-ce que tu vois que qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer là? Il y a des mémoires et des empreintes traumatiques avec écho et résonance. Et des programmations de fonctionnement de résistance de l'élémental du corps physique, mais qui sont inadaptées maintenant. L'élémental a remarqué que la situation a changé? Oui. Bien. Donc, on va éliminer tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retisser ce qui doit l'être. Oui. Voilà, on peut faire des apports de cellules souches partout où c'est nécessaire. Tendons, ligaments, ménisques, cartilage, etc. Oui. Voilà. Avec des loupes primordiales et on harmonise. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Comment tu vois cette partie maintenant à la jambe gauche? Énergétiquement, tout est réaligné. Ok. Donc on verra bien sur le plan physique comment ça se métabolise. Bien. Alors, prise de poids important. C'est la présence des parasites. Ouais. Donc maintenant, avec tout ce qui a été fait, est-ce que le centre élémental peut installer une programmation de l'amaigrissement? Oui. En utilisant bien sûr le système endocrinien, digestif, métabolique, circulatoire, etc., d'élimination, pour que tout Oui. se. Voilà, qu'elle retrouve un poids, le poids idéal pour elle, et qu'il se stabilise. Oui, c'est fait. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Bien, alors, problème digestif, donc avec tous les médicaments qu'elle a pris. Comment est-ce que qu'est-ce que tu vois là? En arrière-plan, c'est toujours la même cause parasitaire. Bien. Est-ce que c'est traité? Est-ce que c'est réglé ou pas? Oui. Ok. Tout est fluide maintenant. Bien. Alors au niveau des vertèbres, L4, L5, voilà, les vertèbres fêlées, le bassin en torsion. Ce sont Qu'est-ce que des tu vois? conséquences de la pression dissonante de cet exosquelette. Voilà. Est-ce que ça a été réglé avec ce qu'on a fait ou tu vois une intervention spécifique à faire? Tout est correct maintenant. Tout est correct, très bien. Fibromyalgie, alors, regarde, fibromyalgie. Qu'est-ce qui se Là passe là? aussi, ce sont des conséquences de cet exosquelette dont l'élémental de son corps physique ne supporte pas les fréquences. Ok, est-ce que c'est réglé là aussi? Oui. Par l'intervention spécifique? Il y a un alignement qui s'est fait au niveau de ses fréquences à elle, mais pour les maintenir, elle peut y faire un apport d'énergie spécifique et d'équilibre sur Allons-y. l'ensemble de sa physicalité. C'est fait. Voilà, donc tu stabilises, sécurises, pérennises et concrétises tout ça. Oui. Au niveau de ses articulations, des inflammations, donc toutes les articulations. Alors, ça toujours l'exosquelette, non? Oui. Bien. Est-ce que tu vois que c'est réglé ou pas maintenant? Oui, mais elle peut y faire un apport d'un baume Un baume apaisant? apaisant, oui, sur toutes les articulations. Allons-y. C'est fait. Ah, tu le programmes pour être stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Alors, elle fume, elle aimerait arrêter de fumer. Regarde qu'est-ce qui fait qu'elle soit voilà, dépendante de la cigarette. C'est pour tenter d'échapper
à cette réalité douloureuse expérimentée dans sa physicalité. Bien. Alors, est-ce qu'elle en a encore besoin? Non. Ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer là? Il y a des habitudes de fonctionnement et, avec les programmations qui y sont associées et des mémoires aussi, des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Ok. Et des attachements. Des attachements aussi, bien. On va regarder aussi au niveau cellulaire, tout ce qui concerne le sensoriel lié au plaisir, au désir, à l'envie, tu vois, que ce soit Oui. gestuel, que ce soit, etc., le goût, enfin, toutes les sensations. Ok? Oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, pour faire plus efficace, elle va prendre conscience de sa connexion avec la source par son intention et l'intention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Oui. Elle en a tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle peut ressentir pleinement à présent sa nature essentielle, dans sa complétude, dans sa paix intérieure, sa tranquillité, sa sécurité intérieure inébranlable. Oui. Et l'amour qu'elle est. Oui. Comment la vois-tu à présent? Comment se sent-elle? Dégagée, libérée, légère, calme et tranquille. Il y a un état de satisfaction de ce nouvel état d'être. Bien. Alors maintenant, je veux qu'elle aille dans un moment où elle a eu envie de fumer, une situation vécue. J'aimerais savoir comment elle se sent dans cette situation. Dans cette nouvelle situation. Elle se sent neutre, pas concernée. Elle se sent libre, légère et forte en même temps. Et qu'est-ce que cette nouvelle situation lui fait ressentir? Elle se sent heureuse de ce nouvel état d'être. Alors, qu'elle peut entendre le ressentir tout ça, de l'apprécier, de le savourer? Oui. Et elle le ramène comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et son âme. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, après, les autres points, donc problème financier, qu'est-ce qui se passe au niveau de ses finances? C'est tous les blocages énergétiques qui se manifestent sur le plan physique. Les réseaux énergétiques étaient bloqués, principalement par les entités démoniaques qui entraient et sortaient de sa sphère d'énergie. Il en reste quelque chose de tout ça? Il en reste des mémoires traumatiques, oui, avec écho et résonance. C'est tout. Bien, alors on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et toujours en contact avec la source, par son intention, etc., en ayant toutes les sensations, les ressentis de sa nature essentielle, elle va s'installer une programmation en sachant que toutes les portes de l'abondance lui sont ouvertes sous toutes ses formes, qu'elle mérite le meilleur et que tout lui vient facilement, agréablement et joyeusement dans la facilité, la grâce et le plaisir. Oui. Voilà, elle installe cette programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Très bien. Donc, elle vit seule depuis une dizaine d'années, elle aimerait rencontrer quelqu'un. Donc, jusqu'à présent, qu'est-ce qui fait qu'elle n'ait rencontré personne? Sa situation énergétique précédente. Ressentie comme dissonante par les autres consciences humaines. Ça venait créer des différences de fréquence entre elle et les autres humains. Bien. Il reste quelque chose à éliminer, là? Oui, des mémoires traumatiques avec leurs échos et résonances, et aussi des sortes de programmations automatisées de se raidir, de se figer par rapport à ce type de relationnel-là, ce qui venait contribuer à bloquer les relations. Est-ce que ça va aussi avec ce qu'elle a vécu dans son enfance, avec ses frères, son père, etc.?
C'est indirectement lié, oui. Il y a comme des habitudes de fonctionnement, de défense, de survie, de sa propre survie qu'elle a mis en place. Ok, donc c'est encore là, c'était à éliminer. Il y en a les mémoires, oui. Alors on élimine tout ça, c'est tous les plans, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Et toujours en conscience de sa connexion avec la source, en ressentant sa complétude, sa sécurité intérieure, cet amour qu'elle est, j'aimerais que tu me dises du haut de cette nouvelle vision, comment elle voit les situations qu'elle a vécues avec son père, ses frères, etc. Quel regard elle porte maintenant avec ce nouveau regard, avec De ce qu'elle sait et ce qu'elle a compris. cette nouvelle perspective, elle comprend maintenant différemment de cet autre point de vue plus large. Elle comprend tout ce qui s'est passé, toutes les implications, toutes les participations. Elle perçoit que les consciences humaines concernées, c'est comme si elles avaient été chevauchées et ou traversées par des entités, une sorte d'inconscience concernant ces consciences-là. Et elle se voit elle-même établissant son périmètre de sécurité tout autour d'elle pour se protéger. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir avec cette perspective? De la bienveillance, il y a l'énergie du pardon aussi qui est là présente maintenant pour toutes les consciences en présence. Quelque Ok. chose de léger aussi qui est là. Elle se sent dégagée maintenant de toutes ces situations-là. Bien. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties d'elle. Son mental égo, son données mentales, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et son âme. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Bien. Alors donc au niveau de. Donc bien sûr, elle va s'installer une programmation, elle va rajouter à sa programmation donc que les rencontres maintenant lui sont ouvertes et que. La personne idéale pour elle et pour qui elle sera idéale également se manifeste dans sa vie d'une façon ou d'une autre. En tout cas, que les Oui. portes sont ouvertes et que voilà. Oui, c'est fait. Et comme elle sait que tout est possible, maintenant, ça va l'être. OK? Oui. Allez, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation rajoutée. Oui, c'est fait. Alors au niveau de son activité, tout est bloqué, voilà, bon, elle dit depuis la crise. Donc je suppose que c'est les mêmes causes. Oui. Il n'y en a pas d'autres. Non, accentué par ce qu'elle appelle la crise. Mais les causes sont les mêmes. Bien. Donc là, il reste quelque chose ou pas? Oui, il y en a des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Ok. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Et puis là, c'est pareil. Hein. Dans sa programmation, on le rajoute aussi que tout se débloque. Hein. Son activité, les amours, les finances, tout le package. Hein. Toutes les portes sont ouvertes. Elle mérite le meilleur. Elle se l'accorde. Et elle va en prendre du plaisir. Oui. Allez. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a été harcelée par, par des personnes qui l'insultent dans les messages audio, avec des aversions accusatoires qui l'ont ramenée donc, à ce qu'elle a vécu étant enfant? C'est l'intervention d'entités démoniaques. Qui interviennent là pour la faire baisser en fréquence. C'est-à-dire que dès qu'elle, dans l'incarnation, dès qu'elle monte en fréquence, dès que sa conscience s'expanse, aussitôt ces entités-là arrivent et font en sorte de mettre en place, de déclencher des situations menaçantes, oppressantes et déstabilisantes. D'accord. Bon, évidemment, elles ne sont plus là. Non.
Est-ce qu'il reste quelque chose? Il y en a des mémoires traumatiques là, concernant, oui, avec leurs échos et résonances. Alors, on va les éliminer jusqu'au plan, jusqu'aux réminiscences, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et puis elle va en profiter pour couper tous les liens toxiques. Oui. Donc, elle les coupe et dissout toutes les racines sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. En vois-tu d'autres? En arrière-plan, oui. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu encore? Des réminiscences. Alors, idem. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Parfait. Bien. Alors, autre point. Bon, c'est difficulté à dire non. On regarde d'où ça vient, même si ça paraît évident. Ça vient du fait que sa sphère énergétique n'était pas sécurisée. Mmh. Donc, cette insécurisation, cette vulnérabilité vient se manifester sur tous les plans, mental, émotionnel et physique. Est-ce que ça a à voir aussi avec ce qu'elle a vécu dans l'enfance? Ah oui, tout est lié. Ok, bon, il en reste quelque chose maintenant? Il reste des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques avec leurs échos et résonances. Alors, on élimine tout ça sur les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Elle a toujours un contact avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, en activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions et perceptions, etc. Oui. Elle ressent pleinement sa nature essentielle, sa, on va dire, sa dignité, sa souveraineté, sa liberté intérieure. Oui. Le sentiment de sa propre valeur et surtout de ses propres droits. Oui. Le sentiment de respect pour elle-même et d'amour de soi. Oui. Comment tu la vois maintenant? Stabilisé, centré, apaisé. Il y a un sentiment de sécurité intérieure, de complétude, qui est là présent maintenant, à l'intérieur d'elle-même et qui se déploie. C'est apaisant, tranquille, calme. Ça lui apporte du plaisir et de la satisfaction aussi, de la joie ressentie de ce nouvel état d'être. Alors, qu'elle prenne là aussi le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et son âme. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise tout ça. Oui. Voilà. Maintenant, elle saura dire non quand ce sera nécessaire et oui à ce qu'elle a envie de dire oui. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Bien, alors maintenant, on va regarder son corps mental. Tu vois toutes les programmations limitantes que tu y trouves avec les croyances qu'il en a développées. Il y a des couches de programmation lourdes et oppressantes qui sont là disposées dans tout l'ensemble du corps mental comme des sortes de couvertures étouffantes et pesantes. D'accord. Quelles sont les croyances qu'il a développées par rapport à ça? Qu'elle n'a ni la connaissance ni la puissance nécessaire pour passer par-delà ces programmations-là. Et sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré, qu'en pense à présent toutes ces parties? De la nouvelle perspective où elle se trouve maintenant, qu'elle est connectée à sa propre puissance intérieure, elle s'aperçoit de leur nature de programmation et que ces programmations-là sont actives uniquement dans des zones de basse fréquence. Elle s'aperçoit maintenant qu'elle peut se déplacer bien au-delà de ces zones de fréquence basse et qu'elle peut aussi dégager ses programmations, elle peut les dégager de sa réalité. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer là? Des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Tu vois qu'il reste quelque chose? Non. Bien. À présent, on va revenir sur l'ancienne ligne de temps. Je veux que tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation.
Le corps est émotionnel, il y a une sorte d'oppression qui est dessus, quelque chose de lourd, de pesant, qui l'empêche de se déployer correctement. Donc ça vient abaisser ses fréquences et ça vient générer des émotions de basse fréquence en elle, de solitude, de menaces ressenties en arrière-plan, de sensation d'être seule et incomprise. Il y a des frustrations aussi qui sont là présentes, avec des colères de rébellion par rapport à ces frustrations, mais maintenues par une sorte de couvercle lourd de culpabilité qui est là présent, puissant, qu'elle a mis en place elle-même par sécurité pour empêcher les débordements. Puisqu'elle a peur de ne pas, il y a une peur qui est là, présente, diffuse, elle a peur de ne pas arriver à gérer ses débordements de son corps émotionnel. Tous ces éléments-là viennent créer une image d'elle-même qui est fausse, décalée, déformée, qui ne lui correspond pas. Et ça vient générer aussi des fuites d'énergie importantes. C'est bon. Allô? Ah, pardon, j'avais coupé le micro. Pardon. Tu m'entends? Maintenant, oui. Voilà. Donc, on va regarder maintenant du côté des cinq blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice, lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles? Il y a le ressenti d'injustice de ces conditions d'incarnation-là, bloquées et limitées. Il y a le ressenti de la partie physique, d'avoir été rejetée. Abandonné là, dans l'incarnation, dans ces situations d'incarnation là, difficiles, ressenties comme telles. Abandonné par le soi supérieur. C'est le ressenti de la partie physique, ce n'est pas la réalité, mais c'est son ressenti. Et il y a l'humiliation aussi ressentie de ne pas arriver à gérer toutes ces émotions mêlées de basse fréquence. De ne pas arriver à prendre le dessus sur toutes ces situations, de ne pas arriver à se déployer dans l'incarnation. Pour fonctionner quand même, pour avancer quand même dans l'incarnation, elle a mis en place autour d'elle tout un système de défense, une sorte de protection à plusieurs couches, comme si elle s'était réfugiée à l'intérieur d'une sorte de tour d'ivoire entourée de couches de défense autour d'elle. Ça lui permet d'éviter les pics de souffrance, ça lui permet en se déplaçant à l'intérieur de cette tour-là, de ce système de défense-là, ça lui permet soit d'esquiver les pointes de souffrance, soit qu'elles ne viennent pas l'atteindre ou qu'elles ne la blessent pas trop profondément. Mais ça l'oblige quand même à être toujours sur la défensive, pour vérifier que son système de défense soit toujours opérationnel, et ça l'oblige toujours à se déplacer, toujours dans une forme de fuite. Donc cette façon-là de fonctionner, lui permet d'avancer dans l'incarnation, mais le revers, c'est qu'elle est coupée de ses intuitions, elle est coupée d'une grande partie de ses connexions avec ses parties supérieures. Et c'est bon. Bien, je rappelle qu'il s'agit là bien sûr de l'ancienne ligne de temps, hein, pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que reste-t-il de tout ça? Il en reste des habitudes de fonctionnement et des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors on élimine tout ça sur tous les plans jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et maintenant, toujours en contact avec la source par son attention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sensations, émotions, perceptions, sentiments, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie, pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Marie à présent? Elle est haute en fréquence maintenant. Elle se ressent centrée, équilibrée, légère, avec cette sensation de bien-être intérieur, de sécurité intérieure, de complétude.
et cette légèreté qui est là, qui lui permet d'apprécier l'instant présent et de trouver du plaisir à être là dans l'incarnation. Il est capable de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Et oui. Et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là, dorénavant, en permanence. Oui. Elle rajoute sa programmation à sa bulle de réalité, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient matérielles, professionnelles, amoureuses, familiales, financières, enfin tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source. Je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ces nouvelles compréhensions et dans ces nouvelles conditions? Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine. Quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-elle au sortir de la source avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités, voire de cette existence en tant que mari? Il y a de la curiosité et de l'attirance pour toutes ces situations d'expérimentation qui se déroulent là devant elle. C'est lumineux, coloré, riche, intéressant. Il y a l'envie d'y participer. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Alors, qu'elle prenne le temps aussi de ressentir, l'apprécier, savourer. Oui. Et elle le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie séminale jusqu'à son âme. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle sent également ce sentiment de dignité et de légitimité. Oui. Celui d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a sa fonction utile, que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Marie à présent? Légère, apaisée et tranquille. Elle ressent maintenant pleinement sa propre puissance intérieure qui se déploie à travers elle. Et en même temps, c'est centré, équilibré, clair, lumineux. Il y a de la pétillance aussi. Il y a de la joie et du plaisir de ressentir toutes ces nouvelles sensations-là qui lui font ressentir du plaisir d'être là dans l'expérience de cette incarnation. C'est bon. Bien, ça va être le moment des invitations. Oui. Donc elle a nommé son fils, sa petite sœur, les amis de cœur, tous ceux à qui elle pense. Oui. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Avant cela, est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce? Oui. Alors, puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archiavélique. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui.
Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Chacun se place dans un lieu précis de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmée uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Marie pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Alors, on va passer au désincarné. J'aimerais que tu regardes celui qui a été son père. Dis-moi sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est plongé dans une sorte de plasma lourd et dense et à l'intérieur d'une sorte de cage. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait dans cette cage et dans ce plasma ? Qui l'a posé là, qui l'a installé. Il est en attente de recyclage. Il y a des sortes de gardiens qui tournent autour de ces structures de cage. Il y en a plusieurs dans la zone où il se trouve. Ce sont ces entités chauves-souris qui tournent là, autour. Bien. Alors, identifiez-le, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Est-ce que tu peux communiquer avec lui ? Oui. Tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie. Et demande-lui s'il veut être aidé. Oui. Bien. Puisque nous avons son accord, on va le connecter directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent ? Une montée en fréquence haute et soudaine, comme une fulgurance qui vient faire sauter littéralement tous les barreaux de cette cage et lui jaillit hors de cette zone-là pour se retrouver flotter légèrement, tranquillement, bien au-dessus. Bien. Alors, que veut-il faire à présent ? Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté et liberté ? Remonter à la source. Alors, dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'il veut s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'il a aimés et fréquentés ? Envers celle qui a été sa fille, il y a l'énergie du pardon. Il lui montre de comment étaient ses perceptions durant son incarnation. Il y avait une sorte de voile déformant au-dessus et autour de lui, avec une grande partie de sa conscience voilée, juste dévoiler ce qu'il était nécessaire pour fonctionner là sur le plan physique. C'est comme s'il avait été endormi, en quelque sorte, une grande partie de sa conscience endormie, absente. Et il lui montre le chevauchement des entités sur lui et qui passaient à travers lui. Et il y a toujours cette énergie du pardon qui est là, fluide, haute, puissante, et un amour inconditionnel, une onde d'amour inconditionnel qui va vers celle qui était sa fille et vers toutes les autres consciences qu'il a connues sur le plan physique incarné. Ne laisse pas partir. Il est là. Bien. Est-ce que tu peux lui demander s'il peut envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Marie des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité ?
Oui. Allons-y. C'est fait. Bien, maintenant on peut le remercier et le saluer. Il est parti. Il est sorti de la matrice. Oui. Bien, alors ça va être le tour de celle qui a été sa mère. Sur quel plan la vois-tu et dans quelle situation? Ça vibre tout autour d'elle et même dans sa sphère d'énergie. Elle a déroulé autour d'elle des sortes de bandes de protection qui viennent d'une certaine façon la protéger de ses vibrations dissonantes, mais d'une autre façon, ça vient l'immobiliser et la bloquer dans ses déplacements et dans son ascension. Bien, tu peux communiquer avec elle? Oui. Alors tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors elle aussi, on l'a connectée à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il à présent pour elle? Une montée en fréquence haute et puissante, soudaine. Comme si elle avait filé plusieurs plans au-dessus. Elle est là dans une zone claire, lumineuse et légère. Tranquille. Alors, que compte-t-elle faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté et liberté? Elle remonte à la source. Alors, dis-lui que pour elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers celle qui a été sa fille et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés sur le plan terrestre? Elle va vers celle qui a été sa fille et il y a la protection qui vient. Elle lui montre l'intention de protection qu'elle a eue pendant l'incarnation, envers elle-même, envers la lignée, comme si dans son rôle là, dans cette lignée, ça avait été de séparer, d'ignorer, de placer des murs, de protéger à tout prix, mais aussi pour se protéger elle-même et pour protéger les consciences les unes des autres, de toutes ces interférences. C'est comme si elle s'était placée elle-même en paravent, en protection, en plaçant, non pas consciemment, c'est une sorte de programmation automatique qui était installée en elle pendant l'incarnation, de séparation, de déni, d'ignorance voulue, mais pas par elle-même consciemment. Et en arrière-plan de tout cela, il y a l'amour. L'amour qu'elle porte à sa fille, à celle qui a été sa fille, et qu'elle peut lui communiquer maintenant, pleinement, complètement, puissamment. Et qu'est-ce qu'elle peut dire des comportements de violence qu'elle a eu envers sa fille? C'est elle-même qu'elle attaquait. Elle n'arrivait pas à placer ses murs de la façon dont elle aurait voulu. Elle n'arrivait pas à placer cette protection-là. Donc elle-même était attaquée et elle rejetait cette attaque à l'extérieur d'elle-même pour se protéger elle-même. C'est comme les deux facettes d'une même pièce, la protection d'un côté et l'attaque de l'autre. Quand la pièce se retourne, un coup elle attaque, un coup elle protège. Un coup l'une, un coup l'autre. Il y a l'énergie du pardon aussi qui est là présente. Bien, eh bien, on va la saluer. Elle s'en va maintenant. Elle est partie. On revient à Marie. Oui. Donc, nous avons fait tous les liens toxiques. Maintenant, ah, il y a une chose qu'on n'a pas fait, c'est la part d'Antonine. Avant de continuer. Hein? Donc, j'aimerais que tu regardes donc, au niveau de sa glande pinéale,
la fameuse allantoïne, qui est cette hormone qui est produite donc, par elle, qui contribue donc à tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil, et à tous les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises ici et maintenant à quel pourcentage tu vois qu'elle est produite. 49%. Bien. Donc, tu vas la programmer pour être à 100%, tout en, en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. C'est fait. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Bien. Alors maintenant, elle va couper avec tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve qu'est-ce qui lui est utile et dissout toutes les racines. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve qu'est-ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes comme dans les dents du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques, tout ce qui n'appartient pas à ce corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle que l'implant neutre n'est pas un implant, c'est juste une métaphore. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace moronciel. Oui. Pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps, comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. À présent, nous allons revenir sur son ADN. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. Il y en a 7 de connectés et 5 d'activés. Peut-elle activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Allô? Tu m'entends? Ah, il y a une coupure. Est-ce que tu m'entends? Maintenant, oui. Voilà. Je disais donc, peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. C'est des programmes qui viennent déployer de nouvelles lignes de temps. C'est fait. Bien. C'est fait? Oui. D'accord. Donc elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Tu m'entends?
Emmanuel? Oui. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Il y a une coupure de nouveau, il faut que tu répètes. Ok. Donc elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. J'aimerais que tu prennes un instant pour voir d'où viennent ces coupures. Est-ce qu'elles ont une cause ésotérique ou c'est purement technologique? Il y a des sortes de court-circuits, mais c'est général, c'est pas directement relié à la séance. D'accord. Ok. Bien. C'est lié au lieu. Le lieu? Tu veux dire quoi? L'énergie du lieu ou de quoi tu parles? Non, pas l'énergie du lieu, le foisonnement d'ondes sur le lieu. D'accord. Mais même pas sur le lieu lui-même, sur la zone. Ok. Bien. Alors, peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 9 et 15 mois. Est-ce que tu vois des inconforts? Pardon, est-ce que tu vois des effets rapides durant ces 9 à 15 mois? Oui, des sensations de légèreté, de bien-être, de libération. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 9 à 15 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes post-séance? Par vague, il y a des émotions de basse fréquence qui reviennent avec leur corollaire sur le plan physique. Comme des sortes de vagues de désespoir, de peur, de mal-être, d'anxiété, et qui emmènent avec elles à leur suite des manifestations physiques, notamment de douleur. Donc ça revient par vague dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là déjà et où les nouveaux ne sont pas installés encore complètement. Le mental ego se sent insécurisé dans ces phases-là. Il va rechercher dans le passé les informations pour venir les créer dans le présent. Bien, alors il suffira à Marie de se souvenir de ce qui vient d'être dit, dans ces moments où elle aura l'impression que les choses reviennent en arrière, voire même qu'elles s'aggravent, en se souvenant de ce qui vient d'être dit, que tout ça c'est normal, c'est naturel, en restant, on va dire, confiante et optimiste, elle soutiendra toutes les parties d'elle qui feront leur travail, et plus courte sera la métabolisation, et meilleure elle sera en qualité et en profondeur. Oui. Donc, autrement dit, la balle est dans ton camp, Marie. Tout va dépendre de ton attitude. Et pour soutenir toutes les parties de Marie, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie et dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent bien légère, pétillante, heureuse et joyeuse. Elle est en contact avec sa propre, en connexion avec sa propre puissance intérieure. Ça lui apporte une sensation de joie, de bien-être, de plaisir d'être là dans l'incarnation. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer et Oui. de déguster. Oui. Elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale jusqu'à son âme. Oui. Et pour chacune de ces parties, ça devient des nouvelles références, du connu et même des habitudes qu'elle peut installer et programmer dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous regardions son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Il y a des vagues d'énergie lourde et sombre qui traversent le domicile. C'est dû à quoi? C'est directement lié à sa situation énergétique antérieure. Bien, si tu regardes les sous-sols, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres? Rien qui vienne l'impacter, c'est lié à elle. Ok, alors elle va faire une puissante tornade à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, y compris la mémoire des murs, meubles, objets, caves, greniers s'il y en a, enfin partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double de l'hémiscate activée, sécurisée. Oui.
Sur son compteur électrique qui est à Linky, tu crées un multicouche que tu programmes. Oui. Par-dessus, un gros diamant qu'elle installe qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Par-dessus encore, fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée et sécurisée. Oui. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, régénérant, sécurisé, avec une respiration ample et profonde, avec un son et un parfum qui se module et on sécurise. Oui. Elle remplit tout son espace de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle cristique de protection et elle également. Oui. Voilà. Et donc maintenant, tu vas programmer les protections des différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée, sécurisée. Oui. Autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise également. Oui. À présent, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractal, multidimensionnel et quantique, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Elle va enfin installer une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, quel que soit son état, quelle que soit la situation, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté et liberté pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise cette programmation. Oui. Et enfin, pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait durant cette session, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan 3D, sur le plan physique. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. C'est fait. Et on va demander au source supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à lui donner ? Oui, c'est la partie physique qui active cette connexion et qui la maintient puissante et sécurisée. Par l'entière confiance en ses propres capacités de connexion et par son intention claire, puissante, déterminée, de centrage, d'alignement et de connexion. Bien, et bien, il suffira à Paris de se souvenir de ses recommandations et surtout de les mettre en œuvre. Oui. Comment est-ce que tu vois son âme ? Elle s'est dépliée, déployée, elle s'est rééquilibrée, elle a lâché tout ce qui était terne, sombre et lourd. Elle est là maintenant, claire, libre et légère. Et sa partie subliminale ? Elle s'est rapprochée de la partie physique, elle s'est réalignée avec elle et elle crée les connexions de communication avec les différentes parties d'elle-même. Alors, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Marie, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade, et sous cette eau de très haute fréquence, composée de son, lumière, couleur, énergie, rayon, parfum, géométrie, information originelle, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe flotte de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également.
Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Marie avant la séance et quelle est-elle à présent? 57 et maintenant 170. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Alors c'est parti. Et 3, tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Hello, ça va? Oui. Comment te sens-tu? Bien. Bon, allez Marie, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Bien, merci tout d'abord. Voilà, j'ai beaucoup bâillé pendant les séances de nettoyage. J'ai eu à un moment donné une douleur très très vive sous le diaphragme côté gauche. Voilà, j'ai eu des picotements sur la peau, dans tout le corps. Voilà, et puis oui, j'ai beaucoup roté aussi. Je pense qu'il y a des choses négatives qui sont parties. Ah bah Et oui, oui. évidemment. Évidemment, quoi, voilà. Et cette sensation d'avoir un exosquelette, j'avais depuis bien 3 semaines une douleur au niveau de l'atlas dans la nuque. Et puis là, voilà, la douleur est partie, à tel point même que parfois je me dis, mais je suis en train de faire une méningite, quoi, tellement la douleur était violente. Et là, ça va. C'est, voilà. Donc, voilà, Est-ce je que ça t'a parlé, tout ce qu'Emmanuel a vu, tout ce qu'elle Oui, t'a... bien sûr, tout ça m'a parlé, oui. Et effectivement, je n'arrivais pas à voir mon père autrement que enfermé. Et aujourd'hui, je me sens heureuse que tous les deux puissent être libérés et que leur âme puisse évoluer. Voilà. Et je suis, oui, voilà. Je regrette de ne pas avoir convié ma belle-fille aussi et la petite fille Claire, puisqu'ils ont eu un bébé Ah, qui mais a. tu peux le décider maintenant. Tu sais, sur un certain plan, le temps et l'espace n'existent pas. Tu peux dire qu'ils sont invités et qu'ils profitent de la séance. Voilà, Voilà. ouais. Mais j'ai Voilà. pensé à eux très fortement. Voilà. Voilà. Sur un plan quantique, Ouais. c'est dans le présent. Tu sais bien. Oui, tout à fait. Oui. Bien, en tout cas, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Tu as bien compris qu'il y a beaucoup d'informations. Ce n'est pas en une fois que tu vas tout comprendre et puis tu as des compréhensions qui vont s'approfondir. Et surtout dans les moments de la bétaouisation où tu auras voilà, peut-être des effets, eh ben, sers-toi de la vidéo. Tu te refais donc on rappelle, mais en la voyant entièrement, pas par morceaux, tu vois. Tu te refais carrément la séance dans ces moments-là. Ça D'accord. stimulera les énergies et ça t'aidera à passer le cap. En D'accord. te souvenant bien sûr de toutes les recommandations qui ont été faites, tu as compris que c'est hyper important, hein, parce que tout va dépendre justement de comment tu vas te comporter dans des moments où tu auras l'impression que les choses reviennent en arrière ou qu'elles s'aggravent. Oui, j'ai eu la sensation que, en fait, ma vie, j'étais sur un tapis roulant, mais que j'arrivais jamais à atteindre l'autre bout du tapis, quoi, de courir un peu dans le vide. Et oui, j'ai eu. Voilà, je me levais récemment ce matin très très triste et ça me demandait énormément d'efforts pour pouvoir retrouver cette joie-là. Et oui, j'ai eu des moments de désespoir profond, oui, où j'ai Mais pensé. ça, c'était avant. Voilà, c'était avant. Mais je me suis reconnue, oui, dans toutes les descriptions. Et je me suis reconnue dans cette sensation d'avoir un exosquelette. J'avais la sensation d'être toujours prisonnière d'une sorte d'armure à l'extérieur de moi. Bien, bah en tout cas, bah j'espère qu'on aura des nouvelles. Tu nous diras comment les choses se passent pour toi, quand tu veux et si tu veux. Hein? Avec plaisir. Et pour l'enregistrement, il suffira que j'aille au Je vais cinéma. t'expliquer. D'accord. Donc, en attendant, donc, est-ce que je peux la publier en clair, ta vidéo? Oui, mon visage sera flouté, même si Ah non, c'est. en clair. Ah ouais, d'accord, ok. C'est bon pour toi? Je ne sais pas si ça peut.
Oui, je sais pas. Ah ben c'est, bien sûr que c'est toujours utile. En fait, je ne vais plus publier les vidéos qui sont floutées, hein. C'est D'accord. où je les publie en clair ou je les publie pas. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, je mets toujours celles qui étaient prévues, hein, tu vois, auparavant. Mais à un moment donné, voilà, déjà à partir d'un certain moment, je ne mets plus en ligne. J'en ai trop sous le coude et les gens s'intéressent plus à celles qui sont en clair qu'en floutées. Tu vois? D'accord. Ben, je veux bien si ça peut rendre service à d'autres personnes aussi. Toujours, évidemment, surtout avec ce que tu as vécu, mais sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'y reconnaître, tu vois. Oui, ça peut être un témoignage pour dire que, parce qu'effectivement, les personnes qui ont vécu ça, généralement, sont condamnées et on les enferme dans un rôle de victime en leur reprochant d'être victime. Et en fait, on a vraiment été victime, hein, et de témoigner que oui, on peut être vivante et s'en sortir, quoi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Bon, on va te souhaiter une bonne métabolisation. Hein, D'accord, on oui. va rester en ligne, d'accord? D'accord. Et à bientôt alors. À bientôt, oui, merci. Au revoir. Merci Emmanuel. Merci Pascal.